Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous aurons trois numéros successifs sur un homme qui a la foi. Hébreux chapitre 11 au premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans avoir une ferme assurance des choses pour lesquelles vous espérez. Vous ne pouvez pas non plus avoir la foi sans démontrer les choses invisibles. Pierre et Jean avaient la foi. Devant le temple, ils ont rencontré un paralytique qui leur demandait l'aumône. Eux avaient la foi. Ils avaient donc une ferme assurance des choses pour lesquelles ils espéraient. Ils croyaient au miracle. Ils devraient alors les démontrer. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ça s'appelle la foi. Frères et sœurs, la foi est complète. Je veux que tu aies assez de foi et que tu nous suives dans le deuxième numéro sur un homme qui a la foi. Shalom, que Dieu vous bénisse. Accorde-moi juste une minute. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Miracle Béni TV.